Okay, so welcome to the last Match Day Minus One press conference for the final of the World Cup 2022 in Qatar against France and Argentina, taking place in Lusail tomorrow at 6 p.m. This morning, for the last time here at the MMC, the captain of the French team, Hugo Lloris, who will be followed by Didier Deschamps, as usual. Languages available today, in case you don't remember, Arabic, English, Francais, and Espanol. Please, as always, turn off your hotspot to make sure we have a proper interpretation. Photographers, we already discussed before, you can stay in the room, but please, after 5 minutes, stop shooting. I think protocol is completed. Please do not forget to tell the language you will ask the question, your name and organization, and stick to one question to make sure your colleagues can get a question as well. So we'll start now with the questions. Yes. Thank you. Bonjour Hugo, Jérémy Talbot pour l'AFP. Plusieurs de vos collègues sont malades, comment vont-ils? Et est-ce que c'est difficile de vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de votre tête à la veille d'un des plus grands matchs de votre carrière? Merci. J'ai pas plus de nouvelles que hier soir, j'ai croisé personne ce matin au petit déjeuner, tout le monde est encore en chambre. Mais certainement que vous aurez plus d'infos d'ici le prochain entraînement. Et concernant le virus, écoutez, on n'est jamais préparé à ce genre de choses, mais on essaie de se préparer de la meilleure des façons, tout simplement. C'est des aléas auxquels on n'était pas forcément préparé, mais ça n'enlève en rien voilà, la concentration, l'excitation qu'on peut avoir à l'aube d'une finale de Coupe du Monde. Ici, Jean-François Pérez, Europe 1, sur ta gauche. Évidemment, c'est une finale formidable. C'est aussi une longue histoire entre la France et l'Argentine, avec des matchs incroyables. Comment tu définirais l'identité de jeu du foot argentin, de cette équipe argentine, et tout ce que tu connais d'elle depuis des années maintenant? Merci. Ce sera plus simple de détailler par rapport à ce qu'ils proposent sur cette Coupe du Monde. Une équipe très bien organisée, très forte défensivement, agressive sur le porteur et qui joue très bien dans les transitions offensives, sur les erreurs de l'adversaire. Après, dans l'histoire de l'Argentine, il y a toujours eu de très grands joueurs, comme symbole, bien sûr. Il y a eu Maradona et aujourd'hui Léo Messi qui font partie de la légende de notre sport. Et il y aura beaucoup d'attentes par rapport à cette finale du côté argentin. Voilà, maintenant, je crois, lorsqu'on est français, jouer une finale de Coupe du Monde, quel que soit l'adversaire, c'est un grand événement, mais bien évidemment, de rencontrer l'Argentine à ce stade de la compétition, ça rend les choses encore plus belles. Et en tout cas, voilà, on espère que ce match restera dans les annales du côté français. Ça marche, ouais. L'électronique pour l'équipe. On connaît le Hugo Lloris calme, qui est souvent devant nous, face derrière le micro. On connaît aussi le Hugo Lloris qui élève un peu la voix dans le vestiaire. Lequel des Hugo Lloris est celui qui vous ressemble le plus? Je pense que je suis quelqu'un d'assez calme dans la vie de tous les jours. Voilà. Après, comme tout le monde, on peut à travers les émotions, à travers les feelings, avoir des choses à dire dans un vestiaire, mais voilà, ça reste du sport, ça reste notre profession, notre passion, et ce sont des choses qui ne se calculent pas forcément. Voilà, après, voilà, on est plutôt tranquille, calme. Bonjour Hugo, Xavier de Radio France sur votre gauche. On parle beaucoup de Messi par-ci, Messi par-là, c'est Messi à toutes les sauces.
Est-ce que vous avez l'impression de jouer contre le monde entier, que le monde entier a envie de voir Messi remporter cette Coupe du Monde et que bah, les Français peuvent compter sur les Français et pas grand monde sinon? Vous savez, à partir du moment où on a le soutien de nos supporters, on sait que tout le pays est derrière nous, le reste a très peu d'importance, j'ai envie de dire. On a démarré cette compétition avec une mission, d'aller le plus loin possible. Très peu y croyaient au départ de cette aventure, mais on se retrouve en finale 4 ans après et on va tout faire, on va tout donner pour sortir vainqueur de cette ultime bataille. Voilà, après, on sait ce que représente Léo Messi dans l'histoire de notre sport, mais je crois que ce sera surtout un match entre l'équipe de France et l'équipe d'Argentine, parce qu'il y a de très bons footballeurs en face. Il y a un vrai état d'esprit, et ce sont des vrais compétiteurs, et voilà, il y a tout pour un grand match. Ici, quels seraient, puisque vous ne nous dites pas tout, vos mots à vos coéquipiers avant le match dans le vestiaire, et est-ce qu'on fait une différence entre ceux qui ont déjà goûté à la finale et à la victoire et celles qui en rêvent, et ceux qui en rêvent? Vous savez, ce qui se passe dans le vestiaire, en général, ça ne se calcule pas trop. Ça vient avec. C'est spontané, ça reste naturel sur le moment. Et en ce qui concerne la finale il y a 4 ans, je veux dire, ce sont des contextes différents, des adversaires différents, des compétitions différentes, des équipes différentes. Donc voilà, on vit le moment présent. Ce qui s'est passé à 4 ans peut nous servir de référence pour ceux qui y étaient, mais je crois que c'est une toute autre histoire. En tout cas, on a envie d'écrire notre propre histoire avec ce groupe de joueurs, avec le staff, avec tout l'encadrement. Ce qu'on a réalisé jusqu'à présent, c'est très fort, mais c'est le dernier match le plus difficile et il faut être prêt dans tous les aspects. Bonjour Hugo, Marcelo Correge devant toi. TV Globo du Brésil, ici, devant. Pardon. Aucun capitaine dans l'histoire de la Coupe du Monde a levé le trophée Coupe du Monde 2 fois. Bien sûr, il faut gagner la finale pour faire ça, mais ça sera une responsabilité énorme, je crois. Quel est ton avis à cette possibilité-là? Non, j'ai eu le privilège et la fierté de pouvoir gagner ce trophée avec mes coéquipiers en 2018. Mais pour être honnête avec vous, aujourd'hui, je suis concentré sur le présent. Ce qui s'est passé avant, ça appartient au passé. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a envie d'écrire notre propre histoire et on a envie de la finir de la meilleure des manières. Donc après, voilà, tant que rien n'est fait, le plus dur reste à faire, j'ai envie de dire, c'est le dernier match. Et il faut se préparer à un grand match, à toute éventualité, prêt à souffrir, prêt à faire les efforts, prêt à se surpasser sur ce dernier match, malgré la fatigue, malgré l'enchaînement des matchs, malgré les circonstances avec ce virus. Il faut finir le travail de la meilleure des façons. Hugo, bonjour. Xavier Giraudon, InfoSport Plus Canal, ici. Vous avez commencé le tournoi avec des absents, vous avez eu des blessés, maintenant vous avez des malades. Il y a beaucoup de suiveurs, de journalistes du monde entier qui sont bluffés par votre pouvoir de résilience. Vous faites le dos rond. Est-ce que vous servez de ça pour souder encore un peu plus le groupe à la veille de ce magnifique rendez-vous? Non, je crois que par le passé, on l'a déjà prouvé. Les équipes de France qui ont marché, en général, derrière le secret de cette réussite, il y a toujours eu un état d'esprit très fort. Et c'est quelque chose sur lequel on doit s'appuyer.
Ça fonctionne très bien depuis le début du tournoi. Il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas demain, même si sur un match, tout est possible. Il y a toujours une part d'inconnu, mais on essaie de se préparer de la meilleure des façons, voilà, malgré les circonstances. Et je crois qu'avec l'adrénaline, avec l'excitation, voilà, on sera tous sur pied pour se surpasser pour cette dernière bataille. Hugo, en español. Pablo Fernández, de Tigo Sports. Hugo, hemos visto a Francia en dos fases distintas de juego. Cuando el partido está igualado, o incluso Francia debajo del marcador, Francia es letal y busca el arco de enfrente con desesperación, llamémoslo así. Pero luego, cuando logra la ventaja, es como que entrega la pelota al rival y cede el protagonismo. Haciendo esto, ha sufrido en los últimos partidos con Marruecos o incluso con Inglaterra, donde se lo empataron y estuvo a punto de igualarlo de nuevo a Harry Kane. Te quiero preguntar si el plan para la final es el mismo o es muy peligroso entregarle la pelota a la Argentina. Y finalmente, ¿cómo te sientes ante la posibilidad de ser bicampeón del mundo? Je crois que c'est le niveau de la Coupe du Monde. Il faut être prêt à souffrir également par moment. Il faut très bien gérer les temps forts. C'est difficile d'avoir la possession sur l'ensemble d'un match parce qu'on fait face à des grandes équipes. Ça a été le cas face à l'Angleterre, ça a été le cas face au Maroc. Même si à mon goût, on a beaucoup trop subi en deuxième mi-temps, on a beaucoup trop reculé. Mais encore une fois, c'est également le mérite des Marocains. Par rapport au match de demain, bien sûr qu'il y aura un plan de jeu à respecter. On est encore en train d'étudier cette équipe et en train de préparer ce grand match. Mais il y a toujours des choses auxquelles on n'est pas préparé. Et pour ça, ça passe par, comme on l'a dit tout à l'heure, un état d'esprit irréprochable. Ça passe également avec ce feeling et cette sensation de devoir se surpasser dans les moments les importants du match, faire le dos rond. On sait qu'on est capable de jouer en possession, on sait qu'on est capable de jouer en contre-attaque. On a beaucoup de joueurs rapides offensivement. Après, c'est l'histoire du match. Et je crois que la force de notre équipe, c'est de pouvoir s'adapter à tout type de scénario. If we take the last question over there. Hi, Hugo, in the back here, on to your right. Hello. Isaac Fannin, BBC, in English. Obviously, before the game, the storyline is going to be about Lionel Messi, with it being his final match for international football. How do you, as a leader, we've seen France using their experience perhaps to kind of get to this final, how do you, as a leader in the squad, prepare the team to maybe not look into the storyline of Messi's final match, and if he wins this, he goes out as a legend? How do you prepare the team and the younger players ahead of this game? I believe it's the event is too massive. Just being focused on one player, it's a final between two big nations of football, between Argentina and France. Obviously, when you face that type of player, you need a special focus on him, but it's not only about him, you know. It's a strong team with a lot of talented players, with a young generation of players, and you can feel that they are all dedicated to Leo Messi. But again, we will try to find the key to get the success on this game. Thank you very much, Hugo. Good luck for tomorrow.